Salut tout le monde, c'est Rio, je vous retrouve sur Neobank TV pour une vidéo concernant Destiny sur la bannière de fer, un petit concours, un emblème à gagner, des dédicaces, et un défi réussi ce week-end pour les carrés, en espérant que on vous a fait plaisir. Et puis on remercie toute la communauté aussi Destiny qui a été vraiment présente au niveau de... On a vu sur Facebook, sur Twitter, sur la chaîne, etc. etc. Donc je fais une dédicace à Destiny Actu, je les remercie pour leur partage. Une dédicace à Destiny News, une dédicace au groupe... j'oublie les noms des groupes, ils se reconnaîtront, hein, tous les groupes qu'ils ont partagé et tout ça. Quoi il s'appelle le groupe? Je ne me rappelle plus. Merde. Bon, je m'excuse pour le groupe que j'ai oublié le nom. C'est le groupe de... Là où il y a... Je sais plus. Bon, bref, il y a le groupe de Loïc et tout ça. Donc, désolé pour les groupes, je m'excuse. Bon, on reprend les choses. Donc, déjà, je voulais dire que voilà, je remercie déjà tous les joueurs de la MB13 et toute la communauté qui ont participé, qui nous ont suivis ce week-end pour le carry de vendredi, qui était là pour l'objectif. On devait amener 10 d'entre vous sur le phare. Alors, ça a été un petit peu compliqué, tout ça. Il y a des personnes qui n'ont pas pu rejoindre quand il fallait. Donc, du coup, les mecs, ils en ont eu marre au bout d'une heure, c'est normal. Du coup, j'ai dit prenez directement sur le direct. On a pris un petit peu aussi dans les contacts et tout ça pour amener des mecs qui n'avaient jamais fait le phare. Donc, bon, les plus de 10 carry a été fait. Voilà, on espère, on a fait plaisir à pas mal de monde. Il y en a d'autres qui ont été déçus, etc., etc. Bon, après, c'est la vie, on peut pas plaire à tout le monde, mais bon, on essaie de faire le maximum, le but, c'est de faire plaisir. Ensuite, donc, vous avez vu, concours, bannière de fer. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, concours? Je vais vous expliquer. Tout simplement, vous voyez sur le logo aussi, l'emblème, la fameuse emblème du PGW, donc l'union de lumière, que vous verrez sur la miniature, évidemment, et vous voyez, tentative nucléaire, 21 kills, sans mourir, what the fuck, Destiny? Qu'est-ce que c'est? Donc, tout simplement, en fait, on va essayer de faire quelque chose de sympa. C'est-à-dire, beaucoup de personnes d'entre vous n'ont pas compris comment nous envoyer les vidéos. Ça a été un petit peu compliqué, c'est normal au début. Ça ne vous a pas expliqué les choses peut-être correctement. Donc, il y a eu, on va dire, tout qui a démarré d'un coup, qui est arrivé d'un coup. C'est-à-dire, la chaîne communautaire par rapport à la Neobank TV. Il y a eu également la chaîne qui est de la DLC de TV. Donc, c'est-à-dire la Destiny League Championship. Tout le monde s'est mélangé un petit peu les pinceaux. Alors, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, la DLC TV, en fait, c'est tout simplement, comme exemple, la MLG aux États-Unis. C'est-à-dire, ça va traiter uniquement dans le cas de l'e-sport. C'est-à-dire, toute personne qui veut présenter sa team. C'est-à-dire, dans la communauté de Destiny, vous êtes nombreux joueurs puissants sur puissants, avec des gros élos, et je vous en passe. Donc, ben, les élos en e-sport, ça ne vous pas implique. Je tiens quand même à préciser pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas c'est quoi l'e-sport, n'est-ce pas? Donc, moi, je voulais juste vous dire, donc, quand vous voulez faire de la pub au niveau de vos teams, c'est-à-dire vous faire reconnaître, etc., etc., vous nous envoyez une vidéo en team scrim en affrontant une autre team. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, une team scrim, c'est quoi? C'est une TS. Très connu sur Call of, donc il y en a plein qui peut-être comprendront ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on vous propose de faire des parties privées pour commencer, parce que vous n'êtes pas encore dans le monde de l'e-sport, vous êtes dans un monde amateur, ça il faut bien le comprendre pour beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté, notamment la première semaine, qui se prenait déjà pour les Cristiano Ronaldo du futur de Destiny. Les gars, vous êtes très loin du compte, l'e-sport c'est une autre planète. Déjà, voilà, pour vous professionnaliser, déjà devenez semi-pro. Le niveau, c'est bien, mais après, il faut avancer, hein. Il faut écouter, il faut avoir un staff, il faut avoir les managers, etc., etc., il faut avoir les finances, les déplacements, les maillots, les contacts, j'en passe. Bref. À ce niveau-là, la MB13 se comporte très bien, d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc, vous avez compris, sur DLC TV, les personnes qui veulent, d'ailleurs, je partagerai également la vidéo sur DLC TV, cette vidéo-là, pour que les gens, exceptionnellement, puissent comprendre ce qui se passe. Donc, sur TLC TV, quand vous voulez envoyer une vidéo, les gars, c'est pas des gameplay perf, c'est pas du raid, c'est pas du PVP, c'est pas du Osiris, ou de la bannière, et j'en passe. Sur TLC TV, vous envoyez des parties TS, parties privées, en train de déglinguer une autre team, si vous voulez présenter votre team. Et bien sûr, vous aurez les retransmissions, dès que ça sera mis en place, évidemment, les retransmissions des événements e-sport, des compétitions directement à G4G, exemple, et tout ça. D'ailleurs, je tiens à remercier également toute l'équipe, le staff de G4G, PGW, je salue la Team Sky, enfin, tout le monde se reconnaîtra ce week-end. Voilà, et, vous savez qu'en ce moment il y a le code prestige de Tizo, donc voilà, il y a MB13 Waze à qui je fais une dédicace, et mon Lolo National qui était là-bas, Kaiser Sosé pour les intimes. Donc voilà, je tiens à remercier tout le staff, et je remercie d'ailleurs
de toutes les personnes qui ont participé massivement ce week-end à la chose. Donc la case DLC, vous avez bien compris. Voilà, je clôture la case DLC pour qu'on puisse avancer dans la vidéo. Donc, comme vous pouvez voir également la game que vous êtes en train de voir. Donc la game en question, le titre de la game, en fait, c'est tout simplement, c'est un B3 Spyro qui est en train de la faire. C'est en fait, il tente un EV3 full team, un 1-2 team, là, voilà, donc dans votre langage spécifique de Destiny. Donc en fait, voilà, le gameplay, c'est ça. Donc en gros, comment ça va se passer également pour Pelo, là, par exemple, que vous voyez, bon, c'est le joueur de la MB13, hein, bien entendu. Mais vous, joueurs, communauté Destiny, vous m'envoyez votre vidéo de la même façon. Je la commente ou vous la recommandez vous-même, mettez l'intro de la Neobank 13, de Neobank TV, je vous mettrai dans le descriptif pour vous récupérer directement sur la chaîne, avant le, un peu comme ça se passe sur Code QG. Moi derrière, s'il faut commenter votre vidéo, je la commenterai avec grand plaisir, il n'y a pas de souci, ça ne me gêne pas, moi ou quelqu'un d'autre y collera, il n'y a aucun problème, et puis on balancera sur la chaîne, ça fera connaître, ça je parle niveau Neobank TV. Je précise. Donc, ça sera un raid, ça peut être du PVP, ça peut être de la bannière PVP, Osiris PVP, classique, j'en fais des jolies choses. On veut, si vous voulez vous faire connaître, vous êtes youtubeur, vous êtes joueur, vous avez un petit clan, mais vous ne voulez pas faire de e-sport, vous voulez juste qu'on parle de vous, n'hésitez pas, vous voulez juste que votre blaze sorte au milieu. On est là, les enfants, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir, c'est le but. Donc, ça, c'est pour l'envoi de vidéos, c'est-à-dire que vous avez compris, hein, je pense que à qui il faut envoyer quoi, c'est-à-dire vous envoyez à la même personne, bien entendu, mais en fait, après, on dispatche les choses, et selon ce que vous voulez qu'on présente de vous, voilà, ça c'est très important, voilà, donc ensuite, revenons, donc le gameplay, je vous le laisse, vous regardez, c'est Pelo qui est en train de faire carton play sur Osiris à 1v3, donc voilà, vous avez suivi un petit peu sur DLC TV, vous avez suivi, on va arriver au concours, et le concours, quel est le défi du concours, donc nous, on a relevé le défi ce week-end, on est avec les carrés, on a tenu la baraque entre guillemets. Donc moi j'ai décidé, la MB13 a décidé cette semaine de lancer un défi. En fait, justement, il y a la bannière qui démarre demain, les enfants. Donc on vous lance un défi de faire un rallier un petit peu de code dans le monde de Destiny. Ça fait pas de mal parce que ça vous rapproche un petit peu plus du mode PVP, de la nervosité, de l'intensité. Éventuellement faire de l'e-sport plus tard, pourquoi pas, mais là évidemment c'est pas de l'e-sport, c'est de la performance, mais ça ramène ce côté un petit peu Call of Duty, voilà. Donc nous on a décidé de lancer un concours, on va vous faire gagner l'emblème l'union de lumière, c'est-à-dire l'emblème que vous voyez, l'union de lumière, sur la miniature. Cet emblème là en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous lancer le défi de faire un 25 kills un nucléaire entre guillemets sur Destiny, 25, c'est 30 normalement, bon, c'est montré un peu raisonnable, un 25 kills à 0, c'est-à-dire la game, il faut qu'elle fasse 25 frags à 0 avant de mourir. Toutes les personnes qui feront 25 kills à 0 nous balancent la vidéo, c'est-à-dire vous nous l'envoyez direct, vous venez me voir directement sur, sur Facebook à ce niveau-là, parce que c'est le concours, sur le Facebook de la Neobank 13, ou directement, encore mieux, vous mettez le lien directement de votre chaîne avec la vidéo en question en dessous de cette même vidéo que je suis en train de commenter, les enfants. Donc vous me balancez ça, moi je vais récupérer tous les games qu'il y a, je vais regarder les games, on va regarder les blasts, on va faire un tirage au sort à la fin de la semaine, tout simplement. Enfin, on va pas faire un tirage au sort comme on a fait les tirages d'Osiris, parce que là c'était vraiment, on devait sortir les blazes au hasard pour que les gens puissent en bénéficier. Moi ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais regarder les gameplays que vous allez nous envoyer. Je vais regarder vraiment ce qu'ils valent en termes de beauté de jeu aussi, parce que c'est important, hein, on va pas proposer de la merde si vous campez comme il y a une saucisson en fin de map et que vous attendez que les ennemis arrivent. Donc un peu de skill, un peu de brain, un peu de shoot, hein, faites-nous quelque chose de joli, réussissez ces défis. Et puis voilà, il y aura l'emblème qui sera offert à la personne qui aura gagné le concours. Et sa vidéo sera sur Neobank TV. Voilà, niveau concours, je vous ai tout expliqué. Je vous ai expliqué aussi au niveau de la DLC, au niveau de tout ce que je pense. Voilà, vous devriez savoir. Je vous salue, c'était GG. Et puis, voilà, apparemment, quelqu'un parle beaucoup de moi. Donc, Dark Vador te salue, mon ami. Hein, petite dédicace, tu te reconnaîtras. Au revoir.